Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit giveaway un peu exceptionnel qu'on fait pas de base. Sauf on les fait dans les lives. Sauf qu'aujourd'hui, on a décidé de faire vraiment un vidéo pour voir un petit peu la différence entre vidéo et live. Parce que de base, je fais tout le temps des giveaways en live. Sauf qu'aujourd'hui, on va le faire en vidéo. Donc aujourd'hui, le giveaway, ça va être de donner un Dark Blade à quelqu'un qui n'a pas la Dark Blade. Sauf que j'ai remarqué qu'il y a des personnes gentilles sur Blotrui et des personnes qui ne sont pas gentilles. Donc du coup, on va le donner à quelqu'un qui sera très très gentil. La Dark Blade, aujourd'hui, il est devenu tellement OP. Il y a pas mal de gens qu'il cherche et il a pas changé de prix, ouais. Et donc la Dark Blade, elle a toujours gardé ce fameux prix qui se nomme en fait elle est visible. Ah ouais, elle vient d'apparaître. La Dark Blade, elle coûte toujours 1200 Robux, sauf que en fait je peux pas la donner à quelqu'un comme ça. Donc du coup, étant donné que Eva, voilà, elle avait acheté une Dark Blade de plus pour le donner à quelqu'un plus tard, et ben c'est maintenant en fait qu'on va le donner à quelqu'un. On va trouver quelqu'un de très gentil sur le serveur public et on va le donner, voilà. Peut-être ça, un abonné, on sait jamais, on verra ça. Mais bon, avant de vous mettre à l'aise quand même sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, mais aussi à commenter Dark Blade, ou plutôt hashtag Tunost. Non, allez plutôt vous abonner sur la chaîne d'Eva, que vous allez trouver directement dans la description, parce que c'est elle quand même qui nous donne à chaque fois les bonnes idées pour faire des giveaways. C'est elle plutôt qui finance pour les giveaways. On va dire ça comme ça. Bon, avant d'aller donner cette Dark Blade à un abonné, on va juste aller random pour voir si on a de la chance ou pas. Et donc du coup là, en random, on trouve avec un fruit de Spike. Ah bah, je suis dégoûté. Bon, alors maintenant, on se retrouve directement sur le compte d'Eva. Alors, on a eu un fruit de flamme. Ah ben, dans mon compte, j'avais un fruit de spike, mais là, il a eu un fruit de flamme. Ben, flamme, j'avoue, c'est pas mal du tout. On peut le store. Ouais. Donc, du coup, en gros, le concept d'aujourd'hui, ça va être que je vais trouver des personnes inconnues que je ne connais pas du tout, que ce soit des abonnés ou pas. Je vais leur demander de me random un fruit. S'ils acceptent, c'est une bonne chose. S'ils acceptent de me le random et de me le donner, s'ils me le donnent, je leur donne ce Dark Blade. En gros, la première personne ou le premier que je trouverai qui acceptera de random un fruit pour moi et de me le donner, bah je lui donne cette Dark Blade. Donc du coup maintenant, on va directement partir en serveur public afin de trouver des personnes pour leur demander de nous random. Ah, je suis rentré en marine. Donc du coup, par contre, je suis rentré dans un serveur, ce n'est pas français ça. Pourtant, c'était marqué que c'était un serveur français. C'est quand même assez bizarre là. Ah oui, on est à la RES. On va écrire qui peut random pour moi. Ok, on va voir s'il y a des gens qui vont accepter d'aller random pour moi. Ben, je pense qu'ils hésitent, ils hésitent. Ah, il y a un gars qui est parti là-bas pour aller random. A few moments later. Alors, il a random ou pas? Il a random ou pas? Il a random ou pas? Je l'ai vu aller là-bas pour random. Non. Non, il veut pas random pour moi. Il n'y a personne qui veut random. De toute façon, il n'y a pas de français. Ah ouais, I have CD. Il a un cooldown les gars, mais il aurait aimé random. Ah bah c'est dommage. Ok bon, les gars, là on va changer de serveur. Parce que si je reste ici, je ne peux absolument pas du tout, mais vraiment pas du tout, trouver quelqu'un pour random. Ok, alors du coup ici je me retrouve dans un serveur assez un peu public. On va quand même encore aller à marine, voilà. À marine, en fait, tu montres un petit peu comme si t'es un noob. Quand tu rentres marine, t'as pas beaucoup de bounty. Même si, quand je vais écrire dans le chat, les gens vont voir le fameux titre... El Combo Gold. Ok, en plus, on n'utilise même pas un skin de noob. Non, 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 non. Ok, on dirait que personne n'a vu mon message quand j'ai écrit. Ah ouais, en fait, j'ai mal écrit, en fait. J'ai écrit Keeper. Oh mon dieu. On va réécrire ça, les gars. 12 seconds later. Du coup, on va essayer de voir si on retrouvera quelqu'un qui va vouloir un random pour moi, quand même. Ok. Tout le monde s'est barré. À l'instant où j'ai écrit la phrase, oh mon dieu. Wesh! Tout le monde s'est barré! On dirait qu'ils ont tous des spawns! Mais, va random un fruit pour moi! Allez! Personne veut random un fruit pour moi! Oh, je pense qu'il ne veut pas vraiment random un fruit pour moi! Il n'y a vraiment personne qui veut, hein! Wesh, si vous random un fruit pour moi, je vais vous donner Dark Blade! Les gars, random un fruit pour moi! Il veut pas random un fruit pour moi, les gars. Du coup, il me demande, t'es pas sûr? Hashtag, hashtag, hashtag. Je pense que je me suis fait démasquer. Bon, il y a personne qui veut me random. Vous savez quoi? On va aller au deuxième monde. Normalement, au deuxième monde, il y a des gens qui aiment bien random les gens. Les gens, je trouve qu'ils sont un peu plus gentils qu'au troisième monde, en fait. Parce qu'au troisième monde, ce n'est pas vraiment l'endroit confortable pour venir demander un fruit. Ah, ok. Ici, on va rentrer encore en marine parce que j'ai pas envie de rentrer pirate. Alors, on va prendre quand même l'autre fruit de base. Wow, je me suis fait démasquer alors que je viens à peine de rentrer dans le serveur. Wow, je pense que le gars, il veut me donner un truc. 12 seconds later. Wesh, il y a des gens qui rentrent pour moi. Il y a un gars qui a rendu mon fruit.
Pour moi. Regarde, il m'a donné un bruit. Il se dit. Il y en a même deux, wesh. Wesh, au deuxième monde, c'est... les gens sont gentils ici. Hein. Ouais, j'ai demandé un fruit et là, il y a. Tout le monde qui me rend de fruits. Enfin, pas tout le monde, mais il y a déjà deux personnes. Et en fait, je sais pas c'est qui en fait. Par contre, les gens m'ont donné des fruits, mais je sais pas c'est qui me l'a donné en fait. Je vais essayer de me mettre ici. Qui peut me rendre un fruit, please. Ah. Il s'appelle Todo. Il y a un gars qui s'appelle Todo. Il a quand même écrit Eva. Ah, ok, je pense que Todo va venir random un fruit pour nous. Je crois. Par contre, il y a des gens qui m'ont donné les fruits, mais en fait, je sais pas c'est qui en fait. Du coup, je sais pas c'est qui en fait. J'ai pas vu leur nom parce qu'en fait, ils m'ont juste laissé leurs fruits et là, bam, ils ont disparu en fait. Oh, il a eu un fruit de Daemon. Ah, c'est quand même incroyable. Mais vas-y, donne. Il va pas le voler. C'est quand même un Daemon. C'est vrai que c'est un Daemon, mais s'il va pas prendre le diamant, voilà, c'est le fruit de diamant. Et il s'appelle Diamant, mais moi je l'appelle Daemon. Ok, on va lire qui en anglais parce que je sais pas s'il est anglais, il est français. Ok, ok, on a quand même un cadeau pour lui parce que quand même, voilà. On va le laisser venir avec nous. Vas-y, viens. Bon, j'ai cherché d'abord une personne, mais il y a eu trois personnes qui m'ont donné des fruits. Mais bon, j'aurais pu le donner à ceux qui m'ont donné des fruits, mais sauf que Todo, il s'appelle Todosuki Shodaku. Talo. Sorry. Oh mon dieu. Il est long le nom, hein. Ça fait quand même deux phrases complètes. Donc du coup on va lui donner cette fameuse Dark Blade, let's go. Ah ouais, il a mis quand même ça. Il a mis quand même un dragon, un Venom. Wesh, il est vraiment pas obligé, mais là ça me fait plaisir, hein. Wesh, il a mis tout ça, hein, c'est truc de fou, wesh. Je sais que c'est moi qui me fais arnaquer, mais c'est pas grave. Wesh, c'est truc de fou, malade. Allez, let's go. Bon, il a eu une Dark Blade en plus, du coup, ça se peut que ça lui fait quand même plaisir. Ok, faut quand même pas savoir quand même qu'il nous a donné des fruits. Regardez, attends. Donc du coup là, nous avons environ combien de nouveaux fruits? On en a 6. Du coup, on a dragon maximum. Bon, léopard, on en a que 9, mais c'est déjà pas mal. Venom, on en a que 9. Shadow, on en a que 9. Oh, on en a que 9. Ah bah c'est déjà pas mal en fait. Le maximum de fruits qu'elle peut en avoir actuellement, c'est 10. Du coup, bah c'est déjà pas mal. Ah ouais, en fait, elle a aucun fruit qu'elle a 10 fois en fait. Ah, le Daemon, ouais. Le Daemon, enfin, le fruit un peu naze, elle les a. Maintenant qu'on a enfin trouvé quelqu'un pour lui donner cette fameuse Darkblade, c'est la fin de la vidéo. J'espère juste que vous avez kiffé. Je pense que dans une autre vidéo, on va essayer quand même de donner un autre fruit à quelqu'un. Je pense que parmi les fruits qui sont là. Mais on va voir. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que on va faire une grosse giveaway quand on aura les 50 000 abonnés. Voilà. On espère faire une grosse giveaway qu'on va quand même donner environ, je pense, 5 Darkblade. Voilà. Que ça, on va essayer de le faire soit en vidéo ou en live. Je vous laisse me dire directement en commentaire. Sur ce, si vous avez kiffé, laissez un commentaire de la prochaine giveaway. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à laisser un petit like. Oh, il y a tout le monde qui est venu m'entourer. Hein, c'est un truc de fou. Sur ça, je vous dis ciao.